Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Jake sur IvaSound Studio. IvaSound Studio, qu'est-ce que c'est? C'est une petite association de radio, de gaming et socio-professionnels. Mais on fait plein de choses sur Twitch, notamment du jeu vidéo gaming. Et aujourd'hui, on continue l'aventure sur The Sexy Brutal, un jeu indépendant sorti en 2017 à la croisée de Cluedo, le jeu de société, et Un jour sans fin, le film. The Sexy Brutal, le nom n'a rien à voir vraiment avec le concept du jeu, c'est juste le nom du casino du jeu. Pourquoi? Comme ça, ils l'ont appelé comme ça, ils auraient pu l'appeler Casino Royal, c'était pareil, hein, vraiment, ça ne changeait absolument rien. On continue l'aventure, il nous restait deux chapitres à faire. Ah oui, c'est vrai que les boutons sont inversés, faut pas que je me trompe. Deux chapitres à faire et pas mal de choses à découvrir encore, donc il y a quand même du boulot. On va voir comment ça se passe. On n'oublie pas que le jeu est surnommé chargement sur 20 ou alors lag sur 20. Il n'est pas très opti. Il est super intéressant, mais il n'est pas très très opti. Je joue sur la Switch, donc peut-être que la version PC est beaucoup plus optimisée. Je vais supposer que oui, mais sur la Switch, ça traîne la patte. Ça traîne vraiment la patte. Donc bon. Alors, nous nous retrouvons au théâtre. Il va falloir refaire tout le chemin. Zut alors. Il va falloir refaire tout le chemin. Alors, petit plus. On est où sur la carte exactement? On est là. Ah non, j'ai pas besoin. Je peux ressortir par la porte secrète du bar, en fait, je pense. Ou alors, est-ce qu'il m'oblige à faire le tour, de passer par la trappe du théâtre pour ensuite aller au sous-sol? Je ne pense pas. Parce que le sous-sol est déjà là. On n'oublie pas qu'il y a une porte secrète dans le sous-sol ici, là, sur la gauche. Mais on n'y a pas accès dans ce sens-là pour le moment. Là, ici, pareil, il y a trois portes sur la droite à la chapelle, mais on n'y a pas accès non plus. Et l'idée sera, si je ne me trompe pas, on peut déverrouiller des cadenas. Donc, il va falloir aller chercher des cadenas. Il y a un passage juste sur la gauche, là. Et si, il va falloir faire tout le tour, parce qu'il y a la statue qui va nous gêner. Donc, il va falloir, bien falloir faire tout le tour. Ça, c'est dommage. Et il y a quand même un truc sur la gauche, ici. Et oui, c'est la salle, là où il y a la porte bloquée, là. Je pense qu'on y aura accès plus tard. Mais là, l'idée, ça va être d'aller là, parce que de souvenir, ici, c'est une porte cadenassée qu'on peut maintenant crocheter. Il y a des choses, il y a une porte aussi là sur la droite. Il y a plein de portes qu'on n'a pas vues en fait. Je vais retenter d'aller à la statue quand même pour vous montrer. Pendant ce temps, le temps coule. Ouais, à mon avis, il y a quelque chose à faire avec la statue. Mais ce sera plus tard. En attendant, il faut vraiment faire tout le tour. Et se dépêcher. Vite. Hop là. Y. Et on se barre vite parce qu'ils vont arriver. Voilà. Obligation de faire tout le tour. Par contre, ça c'est embêtant. Ah, ça fait longtemps. Ça faisait longtemps, pardon. Les tableaux ont tous des choses bizarres là en description. Pas droit ce tableau. Ah oui, c'était le tableau impressionniste dessiné par un enfant. Le chargement, on pourrait en faire une chanson. Ne me tentez pas. Ah oui, là c'est long par contre le chargement, excusez-moi, mais c'est vraiment long en fait.
Genre très long. Ah, quand même, c'est pas trop tôt. Les deux tonneliers dégagent une odeur étrange. Ouais, il y a peut-être un cadavre dedans, quoi. Des chiffres de consommation au bar. Là, il y a bien quelque chose derrière. Mais on ne peut pas y accéder. Et là, on retombe ici. Derrière le tableau à droite, on sait que il y a un couloir où on pouvait espionner. Ok. Allez, le chargement. Et c'est à chaque fois que je rentre dans cette salle. En même temps, elle est super chargée, la salle. Ah, c'est bon, je peux faire demi-tour par là, du coup. Bon, ça, on le prend, hein, ça me saoule. Et l'idée était d'aller tout à... je sais plus, gauche. Tout à gauche. C'est quoi qui est au milieu, là, déjà? Une horloge? Ouais, ça doit être l'horloge du casino. Oui, c'est ça, c'est une horloge. C'est une horloge... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. Mon appareil d'assistant vocal vient de me faire très très peur là. Je pense que va falloir le réinitialiser. Hein. Alors, on va utiliser le briquet. X. Ah, des fantômes. Alors, B. Les boissons sont là. J'avoue, je préfère le Tarantini. Bon, le Martini Vipère. La piqûre de Singapour est bonne aussi. Alors, un bon vieux Cobra Libre vous mettra la tête à l'envers. Ah oui, Cuba Libre. Même un simple Coca Cobra ferait de l'effet. J'ai pris un Freelong Islande Asiatique. J'ai cru que... Ouais, c'était la belle époque, la belle époque. Je devrais peut-être changer ma place... Bienvenue au bar, tous les cocktails sont faits. Ok, plein de venin, juste une goutte, un coup de fouet. Ouais, patati patata, patati patata. Je vais de suite changer ma position de l'horloge parce que j'ai pas envie de refaire tout le chemin. Et vu que le temps tourne. Ah, mais ça commence bien. Tac, B. Annuler X. Voilà. Comme ça, si jamais je dois recommencer la journée, au moins je ne changerai pas d'endroit. Moi, messieurs, je passe. Mot de passe. Vous ne le connaissez pas. Ah. Eh, mais ça veut dire qu'on va pouvoir accéder à l'étage, en fait. Et les portes fantômes de l'étage, peut-être. Peut-être, peut-être. Et je peux accéder derrière aussi, maintenant, j'y pense, vu que j'ai le masque de madame la voix, là. Y. Voilà. B. B. J'ai dit B. Oh. Un beau jardin. Très beau jardin. Je pense que je suis pas censé y accéder maintenant. Mais pas du tout. Le jardin est entretenu. Des fleurs. Des statues. Quelque chose est tombé de la tour de l'horloge. De la tour de l'horloge ? Hop là, une carte. J'ai le droit d'aller en bas? Je visite alors je sais pas du tout ce que je suis censé faire, mais c'est pas grave. Oh les petits jardins! Bruitage sur 20. Ah, je peux pas aller dans l'herbe. L'eau qui coule est plus apaisante, ce que vous auriez pu imaginer. Mais quand même, quelque chose est tombé de la tour de l'horloge. Une maison? C'est quoi ce bordel? Visite.
Il y a un dessin sur la porte de la maison quand même. C'est elle ? Une forme, une marque en larmes, elle refuse de s'ouvrir. Je peux pas y accéder pour le moment. Je pense que ça sera à la fin du jeu en fait. Donc, c'est sa maison à elle, d'accord. Je crois que j'ai vu un petit bug graphique là. Ouais, oui, il y avait bien un bug graphique. Mais le son est pas du tout équilibré dans ce jeu. La musique, j'essaie de faire en sorte d'être équilibré. Selon les salles, les bruitages sont forts ou pas forts. Il y a un truc par terre. Bon, quelque chose est tombé de la tour de l'horloge, mais du coup, je sais pas quoi. Ok, ça c'est fait. Bon, plus. Ok, la maison. Bon, tout là-haut, pour l'instant, j'ai plus besoin d'y avoir accès. Il y a l'étage. On pourra aller à l'étage. Attendez. Attendez, attendez. Et si je repassais par... Je continue ma visite et quitte à perdre la journée elle est fichue là, donc... Quitte à perdre du temps. Ouais. Non, c'est pas ça. Et non, c'est pas ça. Donc je pensais qu'il y avait bien un passage, mais non. Il faut faire absolument tout le tour. Bon, attendez. On réfléchit. On va aller dans la pièce au papillon. Voir si je peux pas récupérer des choses. E2, je crois que j'ai tout, du moins je pense. Et au pire, on va pouvoir faire tout le tour pour eux, donc bon. Et il va falloir aller à l'étage aussi pour les portes. En bas, on est bon. Ici c'est bon. Ouais, la pièce au papillon, l'étage. La pièce au papillon, l'étage. Il y a une clé à récupérer encore. Hein. Je l'avais pas oublié. Ah, il y a une porte en bas là. Ouais, on va s'occuper de l'adage déjà. Tac. Alors attendez. Pièce au papillon, c'est encore à droite. Hein. Attends, non, 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 non. Voilà pourquoi. Je vais être obligé d'attendre. Je suis obligé d'attendre. Bon. Quitte à attendre. Il n'y a pas une des bougies qui traînent par là, quitte à attendre, en vrai. Des bougies. Des bougies. C'est quoi ça? Je peux pas zoomer plus. Il y a un truc dans la pièce en bas à gauche ici. Je me souviens plus ce que c'est. Ah, c'est les caméras. C'est quoi cette pièce déjà? Je sais plus. Attendez, où suis-je? Ouais, c'est à droite. Hein. J'ai un peu de temps. Espérant que le chargement ne plante pas. Il y a un truc à faire avec ces statues, je pense, mais vraiment. Mais je sais pas quoi. Ah ! Cadenas ! D'accord, une carte, parfait. Ça va être tendu niveau timing. Ça. Y. Une carte. Encore un miroir. Punaise.
On va pouvoir traverser des miroirs. J'en suis sûr. Je vois pas pourquoi ça serait pas le cas. Ces statues m'interpellent par contre. Il y a vraiment un truc à faire avec les statues. Il y en a partout. Il y en a même une qui me bloque le passage. C'est qu'il y a un truc à faire avec les statues. Allez, faut que je me dépêche. Il me reste une heure, donc une minute, même pas 30 secondes, je dirais même. Oui, c'est par là. Vite, 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 vite. Voilà. Allez, les cadavres. Ok, j'avais déjà récupéré ce que j'avais à récupérer ici. J'avais tout bien récupéré. Il n'y a rien de plus à faire ici. D'accord. Hop là, quitte à planter et à recommencer la journée, histoire que ça lag pas trop non plus. Voilà. Bien. Au moins, je n'ai pas à refaire tout le tour. Alors, maintenant que nous sommes là, j'ai envie d'aller où? Je vais aller là-haut, là, l'escalier, pour voir ce qui se passe à l'étage maintenant. Parce que là, tout ça, c'est bon. Je pense avoir fait le tour. L'emplacement des bougies est marqué. Mais l'emplacement des... Et non, mais si, il y a aussi l'emplacement des choses à péter, là. Les vases, mais je les ai déjà récupérés. Ça et ça, c'est récupéré. Ok, je regarde sur la map, quand même. Je pense que c'est clean. Ça a l'air... Ah, il y a l'emplacement des coffres, aussi. Ok. Donc, partie de droite, c'est bon. En tout cas, concernant le rez-de-chaussée. La gauche, on verra après. On va passer à l'étage. Et l'étage, c'est par où? Attendez, je suis où? Je suis ici. L'étage, il faut que j'aille. La porte à droite, le couloir, l'escalier. Je vais sûrement croiser du monde. Pourquoi 5, 5, 6, 4 particulièrement? Ça, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Alors. On attend... Je prends la clé, je sais pas à quoi elle sert. Ok, donc les portes comme ça, je ne peux pas y accéder. Non, je ne peux pas y accéder du tout. Il n'y a pas un truc à faire avec un des masques, peut-être? Non. Du tout. Mince. Attendez, maintenant que je suis à l'état... Ah, le chargement. Je perds un temps fou juste sur le chargement, quoi. Il y a des livres qui sortent, là, de la bibliothèque. Parce qu'il y a aussi des secrets à trouver, faut pas l'oublier. Alors, attendez une minute. Pourquoi il y a... Attendez, attendez. Je voudrais vérifier quelque chose sur la map. Il y a un truc qui m'interpelle. Et les bureaux sont marqués. Les bureaux sont marqués. Alors ça, c'est fort. Je suis à l'étage. Je suis à l'étage. Là-haut, il n'y a rien de particulier à faire. Ah oui, les gramophones sont indiqués aussi. Il n'y a rien de particulier à faire. Là, il y a les fantômes, on les a vus. Il y a un truc sur la droite, là, que j'ai pas vu. Juste en haut, juste au-dessus de moi. À droite. La bougie du poisson méchant, on l'a vu. La bougie du couloir, on l'a pas vu. La bougie d'en bas, on l'a pas vu. Et je crois que c'est tout. Il y a le cadavre aussi en bas, là, il faudra récupérer l'invitation, je l'ai pas.
J'arrive pas à voir ce qu'il y a au milieu du tapis rond là, je vois pas trop. Ça a l'air d'être une tête de mort. Du coup, on va récupérer d'abord le truc au-dessus de moi. Ensuite, on passe par le couloir, les deux bougies d'ici. Et ensuite, ouais, on va faire ça. Allez. Et mes chargements, sérieusement, quoi, c'est pas possible. Hein. C'est vraiment pas possible. Hein. Arrêtez de... Vous me faites peur, messieurs. Vous me faites peur. Poussez-vous. Poussez-vous. J'ai dit poussez-vous. Oh, ils sont embêtants. Hein. Voici venir le Béotien. La bougie est froide. Ah, attends, on va mettre la bougie du coup. B. X. Bon, elle... Ok. Alors ça, allez, on le casse. Allez, la carte, elle est pour moi. C'est gratuit. Allez. Ok. On s'en va. Arrête, mais sérieusement, ça me casse les oreilles. Les bruitages sont tellement pas équilibrés. C'est pas compliqué d'équilibrer du son, vraiment pas. Bon, ensuite j'ai dit le long couloir à gauche. Ah! Pardon, excusez-moi madame, je ne fais que passer. Merci. À nous, maintenant on met le feu à ça. Ah oui, c'est X. Ah. D'accord. Alors, cette bougie, c'est bon. Il y a un truc dans la pièce, là, ou pas? Ça m'intrigue, hein. J'ai du temps? Oui, j'ai du temps. Non, non, c'était juste un tapis. Mais là, pour moi, il y a un personnage, là, en plein milieu. Excusez-moi, mais... Ah, mais non, attendez. C'est un gramophone? Qu'est-ce que c'est? Je vois pas ce que c'est, là, sur la... enfoncé sur le bureau. Bon, de toute façon, on s'en fiche, ça c'est déjà fait. Mes oreilles, s'il vous plaît. Pourquoi il y a le masque là? Bon, il est censé y avoir des fantômes, mais je les vois pas. Ou alors c'est les bœufs. Non, je sais pas. Il reste une bougie ici. Une amulette, mais on s'en bat les steaks. Alors, non, c'est pas l'amulette que je voulais faire, c'est le briquet. Ok. Une fois que c'est fait, hein. C'est pas besoin de venir le refaire. Je sais plus à quelle heure, si c'est 18h où elle décède, elle. Y a pas un truc à faire, là? Parce que là, la personne qui va malheureusement hein, passer outre, tombe, elle pourrait laisser une invitation quelque part. Et c'est ça qui m'intéresse. On va pas rester là à attendre. Ah si, attendez, mais il y a une cloche quelque part. Une cloche qui est ici. Oui, voilà, on va avancer le temps, tout simplement. Hop là. Oui, j'avance le temps à 20h. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Voilà. Cette clé là, ah si, c'est le bureau. Ah punaise, l'invitation elle est dans son bureau, c'est ça? C'est ça? Pourquoi la brochure elle s'est éliminée là d'un coup? Salle de musique, le bassin aux instruments. C'est juste du lore. Bon d'accord, c'est juste du lore. Le théâtre, la salle des interrupteurs, c'est du lore aussi. L'étude du marquis. C'est vrai qu'il y avait plusieurs bureaux, lui. D'accord. Inventaire. Invitation. Non, c'est où? C'est carte? C'est où? Attendez. Progression. Invitation 3 sur 9. J'ai ces deux-là. Ça, c'est sûr.
Maintenant, j'ai un doute pour lui. J'ai un doute pour lui. Je dois avoir... Attendez, 9, ça fait 1, 2, 3, 4... Non, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ? Il y a quelqu'un qui n'a pas d'invitation là-dedans ? Peut-être que lui, c'est le propriétaire de l'établissement. Mais comment je récupère les autres ? Bon, les cartes, je suis déjà plus de la moitié. Bon, partons à l'étage. Enfin, je suis à l'étage. Partons de l'autre côté de l'étage. Mais maintenant que j'ai un doute sur les portes... sur certaines portes... c'est où ? Carte. Il y a ici et il y a là-haut. Bon, on va tenter là, déjà. Bonjour. Et non, je vais pas pouvoir. Eh oui. On attend. Là, je peux rien casser. Et là, je peux rien faire non plus. Bon. Mais on peut espionner. Ah ! Là, ça m'embête. Je vais mourir. Allez, c'est bon, ça passe. C'est lequel ? C'est le trèfle ? Serviteur de trèfle. Serviteur de trèfle. Bon. C'est bon, il est parti ? Allez. En bas, il y aura quelque chose pour une des horloges. Il y aura une carte. Ok. Ça, je retiens. De toute façon, la journée, elle est perdue, là. Donc, autant se renseigner. Il y a plus de bureaux dans ce manoir que de chambres d'amis, quoi. Ici, il y a quoi ? Il y a une carte par terre. Ok, non mais chargement, sérieusement, je suis juste en train de regarder. Je ne suis même pas rentré dans la pièce, s'il te plaît, merci. Alors, il y a une carte par terre. Et j'en sais pas plus. Bon. Ok, ok. Du coup, la clé qui m'embête depuis tout à l'heure, j'ai récupéré. Donc c'est celle-là, la clé des vieilles habitudes. Je sais pas à quoi elle sert du tout. Je vais rester là, de toute façon la journée elle est terminée. Ça va se réinitialiser. Voilà. La clé des vieilles habitudes, à quoi elle sert ? Le reste ça va, on l'a déjà utilisé, on en a plus besoin normalement. Mais la clé des vieilles habitudes, je sais pas. Je ne sais absolument pas. C'est étrange. Bien. Alors, reprenons le cours de l'histoire quand même. Nous avons bien passé deux journées à visiter. Ça nous a permis de récupérer certes des cartes. D'avoir un peu de l'or au passage. D'avoir la petite maison au fond là-bas toute mignonne. Et donc, maintenant, on va retourner du côté gauche du manoir. Je regarde s'il n'y a pas des portes cachées par là. Il me semble pas. Il y a une porte en bas ici. Je pense qu'on va aller d'abord là. Oui, je fais tout dans le désordre. Mais ça, à force, c'est habituel. Il y a l'énigme des deux machins là, ici.
des deux. Je sais pas comment on appelle ça, les machines, c'est des machines à sous, mais ça porte un nom, je sais plus le nom exactement. Il y a la porte en bas, il y a deux portes sur cette grande pièce, et la porte qui nous intéresse bien sûr pour la suite de l'histoire, c'est celle-là qui est verrouillée et qu'on va pouvoir déverrouiller. Allez, on se casse. Est-ce qu'il y a une horloge de l'autre côté? Peut-être après. Bon, déjà, on va mettre la sauvegarde ici. Voilà. Comme ça, au moins, c'est toujours deux pièces de gagner. Ça, on va le laisser allumer. Le chargement sur 20. Je suis où? Ok. Et je peux pas aller là-bas. Oh, flûte. Et là, il y a quelque chose, là. Mais c'est fermé. Bon, bah, il va falloir faire le tour. Mais pour faire le tour... faut passer par la grande pièce. Il y a des gens là-bas. Passer par la grande pièce, remonter par ce bâtiment, bien sûr. Cette petite pièce-là. Mais attendez, ces deux personnages, c'est ceux que j'ai besoin ou pas? Punaise, c'est eux. Il faut en savoir plus sur eux. Vite, vite, vite. Espionnons, espionnons, espionnons. Ah, d'accord, chargement. Non, mais du coup, leur texte est caché. Salut, Jake! C'est ça le jeu qu'il ne faut pas juger au nom. Exactement. C'est exactement ça. Ah, punaise, j'ai pas vu voir leur conversation cachée. Parce que l'autre fois, ils avaient chuchoté. Ah. Ah, mais c'est de l'alcoolique que je dois sauver. D'accord. Alors. Comment il va, Drago? Depuis hier. Mais non, Lucas devrait être ici. Ah, je suis deg. J'ai pas eu le temps de... d'espionner. Cette pièce là on la connaît. Et là il y a des fantômes. Où est passé Eleanor? Les meetings sont finis pour aujourd'hui, je suis dans la paperasse. Oh mon dieu, bon courage. C'est quoi le but? C'est un Cluedo interactif. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est du Cluedo. On revit les bruitages. On revit constamment la même journée. Et au fur et à mesure des chapitres, tout en revivant la même journée, on sauve des personnes différentes. Vous vous rendez à la bibliothèque principale? Pourriez-vous me dégoter un mystère digne de ce nom? Quelque chose en retors, de quoi me tri... Qu'est-ce qui... Quoi? Un roman? Il me donne une carte. D'accord. Il m'a donné une carte. Je sais pas à quoi ça sert. Hop là, et je sais que la personne en fauteuil roulant est passée par en bas. Ça, je l'avais vu hier. Il veut un bouquin, le fantôme. Punaise, il faut interagir avec des échanges auprès des fantômes. Pourquoi je vais dans le placard, moi? J'ai n'importe quoi. Bibliothèque est vide. Alors, attendez. Donc je peux pas aller en bas, mais il se passe quelque chose en bas. Et la personne que je dois sauver est en bas, et je peux pas y accéder. Parce que... il y a la fumée bleue, là. Du coup... allons là où je veux qu'on aille. C'est-à-dire dans le sens inverse. On a deux grands portraits, là. Oh! La bibliothèque. Allez, le coup de feu. Intéressant ici. Il n'y a rien qui clignote, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de verrerie non plus. Des tapisseries étranges sur le mur quand même. Enfonce la porte! Ah, j'aurais bien aimé, mais ça ne se passe pas comme ça. Oh, il y a un lampadaire là-haut là. Il brille et tout. Oh, il est magnifique, mais on peut le casser.
pardon, excusez-moi, je passe. Là, il y a un fantôme, mais il n'y a pas de bougie. Il y a un truc à l'étage au-dessus encore. Bon, alors. Comment je vais faire? Ah, faut que je sois précisément à l'étage pour faire tomber le lustre. Oh, punaise. Allez, la carte, ça c'est fait. Il n'y a rien de plus ici? Il n'y a vraiment rien de plus? Il y a un fantôme, mais il n'y a pas de bougie. Comment j'interagis avec lui s'il n'y a pas de bougie? Je sais pas. Bon, je continue mon chemin. Pour l'instant, je peux rien faire d'autre. Le colonel Moutarde a écrasé par le chandelier. Exactement. C'est un peu cette idée-là, en vrai. Il n'y a rien d'autre. Pas de bougie, pas de verrerie. Allez, on monte. J'adore cet escalier. Franz Kafka. Il n'y a rien ici. Pas de bougie, pas de verrerie, pas de truc caché, non. Et on y va. Je vais dans les salles, je regarde même pas s'il y a du monde avant. Trace d'encre. Bon, alors maintenant il y a deux pièces. Carte. Où suis-je? Je suis de ce côté-là de l'étage, d'accord. Là, il y a bien une séparation à laquelle j'ai pas accès. Avec une petite scène ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas accès. Parce que c'est par là. Ah, mais on va pouvoir y accéder dans l'autre sens du coup. Bon, on va continuer le plein sud. D'accord. Encore un miroir. Ces miroirs me perturbent. Et là. Ok, là c'est ici. Est-ce que je vais pouvoir faire demi-tour? Je pense que oui. Ah, une clé d'horloge. Cool, mais je sais pas où est l'horloge. En parlant d'horloge. La clé de remontage de la bibliothèque. Et là, je peux pas y accéder. Mais elle sert à rien cette porte du coup, vu que je peux faire... Bon, je peux faire le grand tour, mais elle sert à rien. Elle me fait pas... À part me faire perdre du temps, elle sert à rien. Elle est où l'horloge de la bibliothèque? Attendez. Alors ça c'est l'étage, rez-de-chaussée, rez-de-chaussée, rez-de-chaussée c'est ici. Où est l'horloge? Wait. Elle est où l'horloge? Ben. J'ai l'emplacement de quasiment tous les gens. Il me manque une horloge. Punaise, il me manque une horloge. Bon, lui, il est là. Mais du coup, il y a quelqu'un qui est déjà mort ou pas? Non, pas encore. De ce que j'ai besoin, s'il n'y a pas encore de mort. Mais du coup, c'est peut-être là. La bibliothèque est ouverte. La Bible est ouverte au chapitre 23h14. Ah oui, d'accord. Bon, il y a quelqu'un qui va mourir à 23h14. Oui, le lustre, j'arrive, le lustre, 2 secondes. Faut que je me dépêche maintenant, le temps. Ok, des bougies. Mais ça m'aide pas, j'ai besoin d'une horloge. Il va falloir faire tout le tour. Oh, le temps passe, vite, vite. Il n'y a pas d'horloge. Toujours pas d'horloge. Je dois être aveugle, hein, c'est pas possible. Ça me donne la clé de remontage de l'horloge. Mais j'ai pas d'horloge. C'est bizarre d'ailleurs que ça lag pas ici. Bon, la bougie. Bonjour, la bougie. Le briquet, X. Attention les oreilles. Voilà. Bonjour monsieur. Vous parlez d'une bibliothèque, franchement. Regardez-moi cette étagère. Des notes manuscrites jamais publiées d'un pauvre bougre. Da Vinci, je crois. Toute cette section-là. Une sorte d'ahurie qui aurait soi-disant percé les secrets d'une certaine hypothèse de Riemann. Riemann. Quel ennui. Cette bibliothèque tirée sur le livre qui ressort tout ce qui... Oh, punaise.
Attendez. C'est quoi qui ressort du coup? Il y a un truc secret mais je le vois pas. Je suis aveugle ou bien? Il y a un plus dans la brochure. Ça on l'a vu. Pourquoi il me met ça maintenant? Ça fait deux chapitres qu'on l'a vu déjà. Deux ou trois chapitres. Il n'y a rien là-dedans. Carte. Ok d'accord, le secret il est là-haut. Vite, le temps. Le temps. Ah c'est du Balzac. Oh, un passage secret. On va vers la chapelle. Dans ce... Attendez. Dans ce triptyque, le Cupidon situé à gauche tire une flèche à travers la coupe au centre pour toucher le cœur du... Un hôtel improvisé. Oui, je vais à la chapelle en fait. Une carte, d'accord. Allez, le chargement, ça fait longtemps. Est-ce que je peux avoir la carte? Merci. Ah, il y a une horloge quelque part là-dedans, d'accord. Donc il y a une horloge là. Mais ça ressemble vers la chapelle. Mais la chapelle, elle est là. Il y a un passage secret qui va mener à un autre étage. Ce jeu est truffé de beaucoup trop de choses. Ah, l'horloge. Oui, vite, l'horloge. Oui, tout à fait. Remontons l'horloge. J'ai mis du temps à la trouver, celle-là. Ok. Alors maintenant, la montre à gousset. On sauvegarde là, ici. Voilà. C'est bon. Ma position est save. Permettra de mieux avancer à la journée prochaine. Du coup, où est-ce que je vais? Est-ce que je vais avoir le droit de ressortir? C'est ça le truc. Le jeu veut que j'aille là-bas, mais c'est la fin de la journée, du coup j'y vais pas. L'escalier du ciel et de l'enfer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a des choses dans cette pièce? Non. Une carte. Il y a que... Les gens que je dois sauver sont déjà morts de toute façon. Une jeune fille. Une salle d'attente. Encore une horloge? Mais je retombe où? J'ai pas la clé de ça. Ça, ça sera peut-être pour après. Fin de journée. Fin de journée. J'ai du mal à piger la moitié de ce que tu fais. Je te rassure, moi aussi. Pour l'instant, je visite en fait. Là, je te montre. Tu vas voir. Voilà. Regarde en bas à droite l'espèce d'horloge. C'est le temps qui passe de la journée dans le jeu. Je revis constamment la même journée. Il y a deux masques à des heures précises. Et ça, ça veut dire que c'est les gens que je dois sauver dans ce chapitre-là. Une fois que l'heure est passée, ils sont morts, je peux plus les sauver. Donc à partir du moment où ils sont morts, bah autant que je visite en fait. Et que je cherche du lore et d'autres indices. Et je revis constamment la même journée jusqu'à sauver les gens. Mais comme je suis quelqu'un où tu as, vraiment dans un jeu, tu as l'objectif principal. Et l'exploration, le complétionniste, le 100%. Et moi je vais vers là, au lieu de faire ça. Surtout quand c'est un, entre guillemets, un petit jeu comme ça, j'en profite encore plus. Bon, ça élargit beaucoup trop la durée de vie du jeu, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce souk? Ok, d'accord. Ça, je capte ce que c'est. Ça, c'est... Hop là, excusez-moi. Ça, c'est cette chose-là. Ici, c'est le symbole ici qu'il faut mettre en vert. Le symbole ici qu'il faut mettre en vert. Et du coup, c'est-à-dire qu'il y a deux autres symboles quelque part dans le manoir que j'ai jamais trouvé. Une fois que ça s'est allumé tout en vert, il doit se passer quelque chose. Je pense. Bon, il y a encore un truc aux étages. Pour remonter dans les pièces là-haut. Attendez, quoi?
Elle sert à quoi la porte là? Je comprends pas à quoi sert la porte, mais ok. Il y a un truc par terre. Hop là. Non, c'était pas un truc par terre. Belle statue d'entrée de casino. Tout à fait, mais c'est absolument pas l'entrée du casino en fait. C'est ça le piège. C'est que ce n'est pas l'entrée du casino. Et là, il y a deux portes. Oh là, ça va trop loin. On ira après. Hein. Bon, moi, je viens dans, à la gauche là-bas. Eh ben, on va faire dans l'ordre. Donc, on va aller là. Où suis-je? D'accord. Donc là, je reviens dans la pièce d'avant. Un vieux rideau. Une porte condamnée. À quoi bon? Bizarre. Où suis-je? Ici. D'accord. Une... Ça va trop loin. Il y a rien d'autre. Il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de verrerie à casser. Là, je reviens là. Du coup, je vais aller ici. D'ailleurs, c'est un casino, un manoir. On est où? On est dans un manoir qui comporte un casino. Il manque toutefois un bras. Lui, il va falloir trouver un bras, d'accord. Là, je pense que je suis dans les chapitres plus tard. Je pense que je n'ai rien à faire ici. Mais j'y suis quand même. Alors, attendez. Là, il y a un piano. Là, je reviens là. Et là, j'ai le droit d'y aller. Il y a encore une carte. Là, j'ai pas le droit d'y aller. Là, ça brille. Deux orifices à l'endroit où les yeux devraient être. Un rideau occulte l'autre côté. Je suis censé... C'est une pièce pour espionner, ça. Ok, c'est une pièce pour espionner. Là, je reviens... Attendez. Ça, c'est une des personnes que je dois sauver. Et l'autre personne que je dois sauver... Mais il est où? Mince, il est où? Punaise, j'ai perdu un mec. Mais... il est en vie quelque part, mais je sais pas où. Pour l'instant, il est encore en vie. Un coup de feu, oui mais c'est pas grave, le coup de feu je m'en suis déjà occupé au premier chapitre. Sauf si c'est un autre coup de feu, et là dans ce cas je suis perdu. Alors, attendez. L'étage ici, je m'en occupe pas pour le moment, on est d'accord. Hein. La bibliothèque est là. Je suis censé aller dans la pièce qui est au milieu là, où je, dans laquelle j'ai pas encore mis les pieds. Ici, il y a une bougie que j'ai pas, je m'en suis pas occupé. Et c'est tout. Mais là, il y a eux à espionner. Du coup, on va les espionner. Essayez de pas mourir. Ok, ça, je l'avais déjà vu. Là, ça charge. Forcément, fallait que ça lag. Bon, fauteuil roulant, où est-ce que tu vas ? Au Rome. J'espère que vous prenez ça au sérieux. Ok. Hop là, on y va. Ah bah tiens. Clé de remontage de l'enfer et du paradis. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Ça. Un masque. Non. Mais non, j'y suis pas allé dans cette pièce en fait. J'y suis absolument pas allé dans cette pièce. C'est la clé de remontage du paradis et machin. Lucas, attendez. Bon, ben je crois que j'ai la résolution du chapitre. C'est les statues.
Mais pourquoi ils me mettent plusieurs horloges dans ce chapitre dans ce cas? Il y a quelqu'un là-haut là. Bon. Ah mais je suis passé devant une statue tout à l'heure ici là. Punaise. Ces deux-là, je sais comment m'en occuper. Je pense. Ça là, il lui faut un bras. Là, il va falloir que je remonte l'horloge ici. Mais il y a la pièce là-haut. Oh là 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 là. Hop là, je rentre dans la pièce. Qu'est-ce que... Eh ben, bon appétit, bien sûr. Lafcadio Boone et Eleanor Bond. Bond. Je suis venu avec quelqu'un? Ah bon? Orom et Thanos. Grayson et Rek, oui. Clay et Trinity, oui. Tequila, Belle et Willow Blue. Tequila? Mais elle est morte, Tequila, depuis longtemps. Le rideau est ouvert. Il cachait une peinture avec un petit Judas dissimulé dans les yeux. Il est maintenant possible de sortir. Oh, punaise. Reste ouvert, toi. Y'a rien d'autre ici. Juste à ouvrir un rideau. Quelle heure il est? Ok, j'ai le temps de sauver des gens, je pense. Bon, ça c'est fait. Attendez. Le Judas. Ok, c'est pour la pièce en dessous. Mais ça m'a ouvert une pièce là. Avec un mécanisme d'ascenseur. Attendez. C'est un passe-plat. Punaise, c'est un fichu passe-plat. Il est en face de moi, le passe-plat. Il y a un truc ici. Derrière la peinture, là, il y a quelque chose. C'est un fichu passe-plat, quoi. Ils vont me planquer des cadavres là-dedans. Un fantôme ou ça? Ah, de l'autre côté. Ah, mais c'est le mec que je dois sauver, lui. Je dois le sauver. Est-ce que j'ai encore du temps? Très peu de temps. J'ai encore du taf, je t'abandonne. Eh bien, bon courage. Bon courage à toi. Bon, faut que je me dépêche. J'ai pas le temps, monsieur. Ok, Eda. Faut que je me dépêche. Vite. C'était par où? C'était par là? Oui. Escalier du ciel et de l'enfer. Et ensuite? Ensuite, faut que j'aille à gauche. Et on se dépêche. Là, l'horloge, on la remonte. J'aurai pas le temps. La montre à gousset. Voilà, sauvegarde. Allez, bouge. Mon dieu, le temps de l'animation, il y a les gens, ils ont le temps de crever, quoi. Ensuite, ici. Bonjour, messieurs, dames. Excusez-moi, je passe. Je ne fais que passer. Bon, comment vous mourrez, vous? C'est un ascenseur. L'ancien système de chaufferie. Je crois que je les ai sauvés. Je suis pas sûr, mais je crois que je les ai sauvés. Ah.
les ai pas sauvés. Punaise. Je les ai pas sauvés. Oh punaise, je les ai pas sauvés. Oh purée. Il y a bien un truc à faire ici quoi. Il lui manque un truc à lui. Oh là là. Bon alors. J'ai 50% de l'énigme, c'est bon. Lui, il lui manque un bras. Il y a, là, il y a cette, ce système de passe-plat qui m'intrigue. Faudrait que j'aille à l'étage, du coup, ensuite. Là, on va pouvoir espionner. J'espère que le rideau va rester comme ça. Ça, c'est pas gagné. Punaise. Ah, je suis dégoûté. Bon, au moins, je sais où est-ce qu'il meurt. C'est pas mal. Oh là 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 là. Bon. Alors, on court de suite. Tout là-haut. Donc je suis où? Ça, j'ai 4-5 pièces à traverser. De suite, on court, on court, on court. Et ensuite, on retourne à l'étage. On monte à l'étage qu'on connaît pas plutôt. C'est où? Là-bas. Il manque quand même un objet. Si c'est la clé du fond. Oh là là. Je pense pas en vrai. Clé des vieilles habitudes. En espérant qu'il n'y retouche pas après. Ça c'est autre chose. Non, 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 non. Comment perdre du temps? Ok. Ensuite, je suis où? De là, il faut que j'aille dans la grande salle. Oui, ici. Ensuite. Il y a une histoire de bras qui me manque. Du coup, je vais monter. Il y a deux portes à gauche et à droite. On va aller ici. Là, je connais pas. Il y a juste un truc à casser ici. Bon, bah, soit. Je récupère la carte. Allez, l'animation là. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Il y a là, il y a. Je pense qu'on peut vraiment traverser les miroirs. Ça me paraît vraiment trop chelou. Il n'y a rien d'autre. On s'en va. On trace, on trace, on trace, on trace. Une carte. Il y a un truc dans la cheminée, je crois. Bon. Et là, je peux pas y accéder. Zut. Eh oui, ça, on revient là. Il y a un passage au milieu du couloir. Il y a un passage au milieu du couloir. Là, au milieu, il y a une pièce aussi. Mais c'est la bibliothèque, c'est le vide de la bibliothèque, pardon. Le passage au milieu du couloir, c'est ça.
Ok, donc faut que je me débrouille avec ce que j'ai. Punaise. Bon, dépêche-toi, Lafcadio, là. Je dois me débrouiller avec ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve? Il me manque un item quelque part. Hein. Qui est... Voilà, je suis allé trop loin. Qui est... Mais qui est où? C'est ça le truc. Il est où ce fichu item? Là, il y a quelque chose. Une porte dérobée. De plantes. Je sais pas du tout. Une salle d'attente. Il y a toujours ce mystère autour des statues. L'escalier du ciel et de l'enfer. La salle infernale. L'une des deux pièces qu'Eleanor comptait peindre. Ça m'aide pas. Ça ne m'aide absolument pas. Allez, le chargement. Un truc par là ou pas? Non. Lui, il est déjà en bas. Pourquoi? Il doit y avoir un truc dans la bibliothèque que j'ai complètement raté, je pense. Des draps. J'ai fait le tour. J'ai vraiment fait le tour de la bibliothèque. Il y a quand même une salle là-haut. Hein. Le calme. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ça ne m'aide pas. Le truc d'ici, je l'ai. Mais pourquoi il y a un truc là? J'ai raté quelque chose? Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette porte? Oui, enfin, c'est un tableau, quoi. Voilà, c'est un tableau.
sèche complètement. Je vois où est-ce qu'il meurt. J'ai mon objectif final. Mais il me manque des choses à faire. Si c'est vraiment la clé des vieilles habitudes qu'il faut récupérer, c'est hyper vicieux. Je pense que la journée elle est perdue. Je l'ai pété ça là-haut déjà ou pas? Oui, il me semble. Je l'ai pété, je suis allé le récupérer. Voilà, et là je reviens dans la salle d'avant. Bon, ça m'aide pas. Un bras, il lui faut un bras. Là, y a rien. Les deux personnes viennent de décéder. Hein. C'est horrible de dire ça comme ça. Allez, le chargement. Là, j'ai accès à rien. Allez. Ok, même durant l'animation, le temps continue quoi. Je pense que je vais retourner à l'accueil du manoir. C'est quoi ça? Bizarre. Donc attends, les items là, je suis perdu. Donc. Putain, on perd déjà 10 minutes le temps qu'il y ait ça quoi. Il faut que j'aille là-bas. Il y a un truc dans, à mon avis, là-dedans là quand même. Bon, on remonte au plus possible. Je pense que la discussion, je vais la rater. Chargement. Et il me manque une machine hein, de toute façon. Il me manque une machine. Tant qu'à faire, je passe devant. Hein. Et voilà, j'ai raté la discussion. Punaise. J'ai raté la discussion.
pas foutre le feu à l'horloge. Mais je vais recommencer ici à la prochaine journée. Il y a quoi là ici déjà? Pour l'instant, pas grand chose. Voir rien du tout même. Est-ce qu'il faudrait pas que, si c'est la clé, mais des vieilles habitudes, mais ça me mettrait les nerfs. Hein. Si c'est ça. Ah non, on passe pas par le casino, ça lag à chaque fois. La clé des habitudes qui se trouve là-haut. Je ne fais que passer, ne vous occupez pas de moi. Vraiment pas pourquoi ce serait ça, mais je ne l'ai jamais utilisé jusqu'à présent. Bonjour madame, pas le temps, pas le temps. Bon, ça. Où est-ce qu'il faut que j'aille? En bas. Donc je peux traverser. Très vite fait, mais je peux traverser. Bonjour, excusez-moi, je fais que passer. Je peux regarder là maintenant ou pas? Oh punaise, ça occulte tout quoi. Bon. Cette clé ne rentre pas là. Bon, c'est pas ça. Il me reste qu'une option, hein. L'histoire de ce rideau là. Excusez-moi, je passe. C'est celle-là, c'est cette option-là qui me reste. Mais je n'ai rien d'autre dans cette pièce, quoi. Je n'ai rien d'autre à part ça, là. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive là-dedans, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je suis presque à mi-journée de cette journée. Hein. Là, je sèche. Là-haut, c'est fait. Le passage secret vers ici, c'est fait. Là, ici, il me manque quelque chose, quoi. Quoique non, c'est le passage secret... Ben non, là aussi, je l'ai. Ce qu'il me faut, c'est vraiment leur discussion secrète à eux deux. Que je ne possède pas. Il me manque du lore.
Et les serviteurs là-haut. Mais vois quoi? Quatre statues sur pic. Les quatre statues sur pic. Mais j'en ai accès qu'à deux. J'en ai accès qu'à deux. Passage secret. Merci, merci quand même. C'est gentil, mais je sais. Passage secret. Passage secret. Code des caméras. Code de sécurité du casino, merci. 4 statues sur pic, bordel de zut. Attendez. Je sais pas si ça suffira. Dans tous les cas, je n'ai que 3 statues. Je ne sais pas où est la quatrième. C'est où? Ok, je peux passer par là. Bonjour, excusez-moi, je passe. Ok, je passe pas en fait. Quatre statues sur pic. Ça c'est un pic. Là-haut. Ah, le chargement. Comment on dit statue en anglais? Parce que je suis à deux doigts de me dire de chercher la solution. Enfin, hier c'est ce que je m'étais dit pour un truc. Non, je l'ai pas fait. Mais... pic. Pourquoi ils montent dedans du coup? S'ils disent qu'il faut mettre sur pic. Allez, ça c'est un pic. Ça fait 2 sur pic. Il y en a une ici, mais j'ai besoin de la réparer. Sauf si elle est déjà sur pic. Sauf si elle est déjà sur pic. Et où est la quatrième? Où est la quatrième? C'est pas à l'étage. C'est pas au sous-sol. C'est quand même pas non plus. Bon. Je suis où? Ici. Est-ce que j'ai le droit de redescendre? J'espère. Et non, j'ai pas le droit, forcément, sinon c'est pas drôle. Ah là 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 là. C'est casse-bonbon, hein, ce chargement.
ça qui que je comprends pas, c'est que j'ai besoin d'un item que je n'ai pas. J'ai besoin d'une statue que je n'ai pas. Est-ce que je peux couper par là? Oui, je peux couper par là, oui. Salut Eleanora. Comment va? Punaise, ils sont morts, que je les ai ratés. Ah, et toi, je vois pas sur quoi t'es, sur quel chiffre t'es. Sur quelle couleur t'es. Ah là là. Bien, bien, et toi? Bah ça allait, mais là je suis bloqué sur l'énigme. Sur un chapitre depuis le début de ce stream. Et je galère. Je dois avouer que je galère beaucoup. Parce que j'ai fait toutes les pièces possibles. J'ai besoin d'un item pour ici. Hop là. Je vais me passer le texte. La statue d'un chevalier, il lui manque toutefois un bras. Chevalier entre guillemets, j'ai pas le bras. Je sais pas où il est. Et surtout, j'ai besoin de 4 statues et je n'en ai que 3. Sur tout le manoir. Je ne sais pas où est la quatrième. À moins que ce soit la grande, mais ça m'étonnerait. Donc je sèche complètement. Et cette clé au final ne me sert à rien. Donc je ne sais pas. Normalement, je recommence là où j'ai décidé, c'est-à-dire dans le hall du manoir. Et je vais essayer d'espionner une conversation qu'il me manque. Mais je suis pas sûr que ça m'aide. Vraiment pas sûr. Je sais qu'il faut que je mette l'emplacement des statues roulettes là. Ça, bah ça par exemple, voilà celle-là. Sur pic. Ça je le sais. Mais il faut que je le passe sur 4. Je n'en arrive à que 2. La troisième, il lui manque un bras que je n'ai pas. Donc, ok, on va lire. Bon, chargement. Hein. Si le chargement me fait sauter des dialogues, ça m'embête. Hein. Pas de porte cachée dérobée. Ben, je cherche. Ok, lui, il a compris que le personnel était... Voilà. Ok, bah ça m'aide pas. À part pour du lore, mais ça m'aide pas. Bon, ça, faut que je le mette sur pic. Allez, un. L'autre, je sais qu'il sera sur pic tout seul. Là, ici, ça fait... Celle-là, c'est fait. Celle-là, ça sera fait tout seul, j'ai pas besoin de m'occuper. Celle-là, il lui manque un bras, que je n'ai pas. Et là, il y a une énorme machine. Mais est-ce que c'est ça, la quatrième? Mais je n'ai aucune interaction dessus. J'ai même pas fait gaffe si par défaut, c'était sur pic, en vrai. J'ai même pas fait gaffe si par défaut c'était sur pic. Mais dans tous les cas, faut que je m'occupe de cette troisième, obligatoirement. Alors, concernant les portes dérobées cachées, ben, j'ai accès à toute la partie gauche du manoir. Des passages secrets qui ne sont plus secrets pour moi. Pareil ici, la bibliothèque. Et l'action de ce chapitre se déroule vraiment partout ici. Je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider. Ensuite, je me suis baladé, j'ai découvert ça, mais ça m'aide, y a rien. Je suis pas censé être là, je pense. Ça, c'est pour mon avis, ça c'est la fin du jeu. Tout ce qu'il y a là, c'était hier. Je me suis quand même baladé par ici au cas où pour trouver des choses. Au cas où, mais en fait, ça ne m'a pas aidé plus que ça. Ensuite, le sous-sol, bah, c'est juste un passage. Hein. Il y a une porte ici, mais j'y ai pas accès. Une porte, un tableau du moins, mais j'y ai pas accès. Donc il y a un autre passage secret que je n'ai pas. Je pense pas que ce soit lié. Ça, là, l'action, c'est vraiment rez-de-chaussée étage. Concernant l'étage, tout ce qu'il y a là, on s'en fout, normalement. C'était tout hier. Oui, c'était tout hier, hein, c'était le poisson, et etc. Poisson et musique. Ici, là, c'est pour maintenant tout ça, mais ça fait partie de l'autre côté. C'est la bibliothèque et des bureaux.
J'ai pas plus d'infos que ça. J'ai récupéré les cartes pour le 100%, mais à part ça, je ne sais pas. Ah, oh, je peux changer leur affiché. Attendez. Où sont mes personnages? Donc là, c'est le début de la journée. Eux, ils discutent. Ils discutent. Lui. Ensuite, il est là. Ensuite, il disparaît. Fauteuil roulant, il discute avec le serviteur. Enfin, il va discuter avec le serviteur. Masque jaune a disparu. Il est où, masque jaune? Où est masque jaune? Où est masque jaune? Punaise, il est où? Il se planque toute la journée dans la pièce là-haut là? Dans la pièce à laquelle j'ai pas accès? Ah voilà, si, ouais, c'est ça. Toute la journée, il se planque dans la pièce à laquelle j'ai pas accès. Mince. Ensuite, il fait son chemin. Voilà, il fait son chemin. Il va rejoindre Masque Bleu. Ils vont se rejoindre dans la grande salle en bas au milieu. Voilà. Et là, c'est le drame. Et ici, il meurt. Voilà. Et là, il meurt là. Il meurt à cet endroit-là. Et là, c'est le drame. Et la fin de journée. Ah, la statue n'est pas dans la zone que tu as fouillée hier, mais tu serais passé à côté car il n'y a pas d'option d'interaction à ce moment-là. Hier. C'est vraiment une statue. Où suis-je? Ici. Statue. Machine à sous. C'est vraiment une statue machine à sous. Est-ce qu'on a vu quelque chose hier concernant... Et elles sont indiquées sur la map de toute façon. Elles sont vraiment indiquées sur la map, comme ça. Là, il y a trois serviteurs, trois fantômes, pardon. Là, ici, j'y ai pas accès. Même s'il y a des portes, j'y ai pas accès. J'ai trois horloges sur 7 sur ce chapitre. En fonction de réfléchir, trouver les indices, etc. Là, bah, c'était juste deux passages secrets pour m'aider à trouver le chemin. Là-haut, il y a quoi là-haut? À part la maison du fond, mais j'y ai pas accès. Là, il y a une machinerie avec des passe-plats. Mais j'y ai pas accès non plus. Il y a cette salle là, ouais, je vais essayer de passer de la journée dans la salle de réception, je sais pas, le dîner, le banquet. Excusez-moi, je passe. Se calme les bruitages. Oh là là! De faire tout le tour en plus. Sinon, c'est pas drôle. Lui,
Vite, 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 vite. Il y a le fauteuil roulant qui va arriver. Vite, 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 vite. Hop. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? On va attendre qu'il vienne. Le fauteuil roulant devrait pas tarder à arriver. Voilà. Le fauteuil roulant débarque. Le serviteur va devoir débarquer. Oh punaise, je suis obligé de... C'est bon, je peux pas y aller. Excusez-moi, je passe. Merci. Vite, 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 le rideau, faut l'ouvrir. On ouvre le rideau, vite, 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 vite. Voilà. Tac, 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 tac. Papotage. Ah, je peux pas espionner. Voilà. Bon, ça, je l'ai déjà vu, en fait. Bon, maintenant, ici. Ça m'aide pas plus que ça. Du coup, attendez, on va réfléchir autrement. Je veux savoir ce qui se passe dans cette pièce sur la journée. J'ai donc besoin d'une horloge proche pour pouvoir y aller vite. Mais, s'il y a quelqu'un de base là, ici... Alors attendez. Ça fait une pièce à traverser. Deux pièces, trois pièces, quatre pièces. Une. Deux, trois, quatre... Il faut que j'aille sur cette horloge là. Ok. De toute façon ici ça m'aide pas, du coup je vais tracer. Voilà. Sachant que il faudra que je revienne à la première vraiment à l'accueil du manoir. Voilà, comme ça au moins prochaine journée je repars d'ici. Mais il va falloir que je recommence correctement plus tard. Ensuite. Je reviens ici. Je vais espionner ici du coup. Voilà. Où est-ce qu'il va lui? Si ça peut m'aider. Est-ce que ça peut m'aider? Et ici, attendez, ils sont sur carreau. C'est quoi? C'est du trèfle? Ou du pic? C'est quoi ça? Carreau. Je sais pas si c'est du trèfle ou du pic. Mais la première machine, je l'ai touchée. Je l'ai remise à zéro, la première. Ouais, oui, le pic c'est censé être noir, mais il y a une question de luminosité après. Il faut mettre les 4 sur pic. Il manque que ça là, du coup. Je vois pas si ça là est sur pic. Ok, pour moi ça là est sur pic. Pour moi ça là est sur pic. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il me demande un bras? Il me manque quand même une statue, quoi. Oh, punaise. Le dernier, c'est pas du carreau. Le dernier est au carreau. Le dernier est au carreau. Mais dans ce cas, je sais pas où aller. Il me manque une statue. Punaise. Elle est où cette dernière statue?
Il y a des portes derrière. J'ai rien fait. J'ai absolument rien fait. Je n'ai absolument rien fait. Stop. Le couloir tout en bas avec les deux bibliothèques, j'ai vu une option d'interaction dessus. Le couloir tout en bas avec les deux bibliothèques. Non. Ah, attends, parce que là c'est sur pic. Les quatre sont sur pic là. On va voir, de toute manière la journée c'est trop tard pour tout rechercher. On va laisser passer celle-là. Mais là les 4 sont sur pic. Hein. Je sais pas comment ni pourquoi, mais les 4 sont sur pic. Putain, je crois savoir où est la... Je crois savoir où est la quatrième, mais j'y ai pas accès. Avez-vous changé les quatre statues? Celle du bar, de la bibliothèque, piano et entrée. Bar bibliothèque. C'est foutu. C'est foutu. Ils vont crever. Voilà, c'est bon, ils vont crever. Ils vont crever. C'est mort. Ils sont morts. Bon, on a l'emplacement. Il a parlé. La salle de piano, c'est celle-là. L'entrée, c'est celle-là. La bibliothèque, c'est celle-là. Et le bar, c'est ici. Le bar, il est là. Il y a quelque chose dans ce bar. Mais surtout, le mec, là. Il a passé toute la journée dans cet endroit-là. Ici, auquel j'ai pas accès. Du coup, on va attendre. Puisque je peux rien faire d'autre. J'ai pas le temps de changer de pièce, de mettre l'horloge là-bas, quoique, peut-être. Non, ça m'étonnerait. Ensuite, c'est par où? Là-haut. Non, j'aurai pas le temps de changer d'horloge. Quoique, je peux me mettre... Ouais, non, je crois que je suis déjà là, en plus. Allez, vite! Non, c'est trop tard. Donc, il y en a une dans le bar. Et les... Mais il a dit qu'il avait raté celle de l'entrée, de toute façon. Celle du piano, elle est cassée, elle est déjà sur pic. Celle du piano est sur pic. Hop là. On va direct là. Celle-là, je ne vais pas y toucher parce qu'il va la mettre lui-même sur pic. Là, on va à l'entrée. Attendez, c'est où l'entrée? Faut passer par là.
Bonjour messieurs, excusez-moi, je passe, vous m'avez pas vu. Ah bon, ben ça lag de toute façon. Pardon, pardon, je passe. Merci. Ok. Alors. Ça, on le met sur pic. Voilà, ça c'est du pic. Maintenant, on va au bar. Bonjour messieurs, excusez-moi, je passe. Où est la machine? J'y ai pas accès, hein. Ah, sauf si... Sauf si... Ah punaise, monsieur, t'es sérieux? Mais s'il y a tout le monde en même temps aussi... Vas-y. Voilà. Maintenant je retourne là. Il me faut le mot de passe pour entrer. Ça je m'en souviens. Lui il est en train de... Bon, eux, ils chantent, ok, c'est génial. Lui, il va consommer jusqu'à pas d'heure. Ah, voilà. Ah non. Qu'est-ce qu'il fait? Il y va? Mais non, mais je voulais le mot de passe. La statue est juste là où il avait dit. Bien. Tirez le bras, vous avez dit. Comme vous aviez dit. On peut pas dire que je ne voulais pas aider quelqu'un, Thanos. Revérifie à l'entrée. On est sur pic. Attendez, mais s'il faut... Il y a besoin d'un mot de passe pour entrer parce que moi je vois les fantômes. À quel moment il va partir lui? Allez. Je sais qu'il va ressortir de là, de toute façon. J'ai fait bugger mon personnage. Oh punaise, j'ai complètement fait bugger le personnage. Ça va être long, ça va être très long. Purée. Si c'est ça jusqu'à la fin du jeu, on est dans la panade. Fallait bien qu'il y ait un vrai bug à un moment donné. Hein. Ça lag tellement que.
J'ai complètement fait bugger le personnage. J'espère que ça va débugger au chapitre suivant. Ça, je n'y touche pas. J'espère vraiment que je vais arriver à temps. Je mets une heure à traverser une pièce, quoi. On va tenter. J'ai limite envie de relancer le jeu. On va voir sur la prochaine journée s'il y a ça, mais sinon je relance le jeu. Allez! Ok, c'est mort. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Donc il faut pas que ce soit sur pic. Mais quand je laisse le truc à l'entrée, bah, ça s'ouvre quand même. Donc je n'ai pas la résolution de l'énigme. Je n'ai pas du tout la résolution de l'énigme. Le bar, j'y ai pas accès, j'ai pas le pouvoir qui me permette de passer à travers le froid des fantômes. Piano, c'est là où il manque le bras que je n'ai pas. L'entrée, j'y ai accès. La bibliothèque, j'y ai accès. Allez, debout! Debout!
Ok, c'est bon, c'est des bugs. Ouf. Alors. En bas, là, il lui manque un bras, cette fichue machine. Là, le monsieur va y toucher. Du coup, il va falloir que je passe derrière lui. Là, ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit. Il va forcément y toucher. Il faut que je passe vraiment après lui. Le lag. Ça fait 2 heures et je suis sur cette énigme. Ça, je n'y touche pas, c'est allumé. Quand je le mets sur pic, ça pose problème. Du coup, je vais le laisser sur cœur. Après tout, un pic, c'est un cœur à l'envers. Allez. Voilà. Bah, ce que je vais faire, ça, je vais avancer l'heure en fait, tout simplement. Alors non, je vais pas faire ça, je vais faire ça. Alors c'est pas ce que je voulais faire non plus, mais c'est pas grave. Je vais l'avancer directement à 20h. Allez, et là il faut croiser les doigts. Le bar, j'y ai pas accès. Je n'ai absolument aucun moyen d'aller dans le bar. Derrière le bar en tout cas. Les fantômes me bloquent le passage. Là, il a déjà mis sur mon touche. Ok. Là, c'est sur cœur. Maintenant, on descend après le chargement. Personne ici. Cette salle, je comprends pas. À mon avis, il y a un truc dans cette salle, mais je la comprends pas. À part le passe-plat, mais le passe-plat, voilà quoi. C'est par où après? Mince. Oui, si, je peux passer par là. Là derrière, c'est pour espionner derrière la salle de réception. Ici, je n'ai absolument pas le bras. Et ça m'embête. Du coup, il nous reste à espionner. Hop là. C'est ouvert. Ah! C'est mort. Punaise. Mais qu'est-ce qu'il me manque dans cette fichue énigme? Qu'est-ce qu'il me manque? Punaise.
Je l'ai pas du tout. Il faut que du coup, faut que je mette, à mon avis, les 4 sur cœur. Je peux en mettre 2 sur cœur. La dernière, celle-là, elle est cassée. Du coup, j'ai besoin d'un item. Et donc, j'ai besoin d'accéder au bar. Mais je ne sais pas comment accéder au bar. Vu que je n'ai pas le pouvoir. Enfin, il me manque un pouvoir, quoi. Dans tous les cas, c'est une statue de chevalier qu'il y a ici. On va voir. Je vais... Allez, debout, 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 tu perds 10 minutes là. Le bras ne tombe pas. Je pensais que j'allais pouvoir casser quelque chose, mais ça fonctionne pas. Chevalier. Où est-ce qu'il y a un chevalier dans le manoir? Où est-ce qu'il y a un fichu chevalier dans ce manoir? Que passer, vous occupez pas de moi. Punaise. Et non, c'est pas ça non plus. Là, je vais revenir vers là où j'étais. C'est pas ça. C'est quoi cette porte? Elle va où cette porte? C'est juste la porte qui va au bar mais qui est condamnée. D'accord. Il n'y a rien d'intéressant ici. Plus. Il y a un passage ici. Ok.
que j'ai pas débloqué. Allez, le lag. Ah non, ça va. Ça, je le récupère. Allez, hop là. Pardon, messieurs. Excusez-moi. Apparemment, c'est pas ça. Allez, la briquet. Bonjour, messieurs. Mot de passe, vous ne le connaissez pas, je ne crois pas. C'est quoi le mot de passe? Chaussettes, ouais, c'est chaussettes. De toute façon, avec lui, je peux juste interagir en dialoguant. Je n'ai rien d'autre. Je veux juste espionner, monsieur. Il y a une autre porte de l'autre côté ou pas? Eh non, je peux même pas espionner de... Attends. Attends. Je passe par la porte ici. Je remonte là. Oh punaise. Oh punaise. C'est l'énigme qui va dans tout le manoir, quoi. Bonjour. Je fais que passer. Pardon. Oh, attends. Oh, punaise. Je récupère ça au cas où. Si ça, c'est un lien au mot de passe. Là, je peux pas y accéder. Il y a l'autre, il va papoter ici, là. Je sais plus à quelle heure, mais il va papoter. Est-ce qu'il y a une statue? Est-ce qu'on voit une statue? Je pense qu'elle est cachée sur un angle. Il y a une carte, encore une porte en face. Parce que normalement, la logique voudrait que... Que rien du tout, en fait. Vu que je peux pas y accéder, vu que lui va dans la grande pièce verte. Oh, punaise! C'est pas cette pièce! Bon, on s'en va. C'est pas la clé des vieilles habitudes. Ah! Purée! Et lui, il s'est déjà barré, quoi. Il va quand même pas falloir que je l'espionne. Jusqu'au bout. Je l'ai bien mis sur cœur, hein, ici, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est bon, punaise, j'ai perdu du temps. Je perds du temps.
Bon, ils vont crever de toute façon. Je peux pas espionner ça? Rien ici. Il y a rien ici. Il faudrait que je me mette là très très vite. Alors pour aller ici très très vite, c'est l'horloge d'en haut. On va voir s'il se passe quelque chose dans la pièce. Voilà. Comme ça, je repars de là. C'est quoi ça? Dans la salle où tous les convives vont manger quoi. Mais il faut que j'arrive très 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 vite ici pour pouvoir espionner s'il y a du dialogue. Comme ça j'ouvre les rideaux, je sors de la pièce, mais il y a déjà quelqu'un dans la pièce normalement quoi. C'est ça le truc. Il y a déjà quelqu'un dans la pièce. Je sèche complètement. Mais après, si j'ai le pouvoir de passer à travers les fantômes de glace là, ça va m'ouvrir tellement de pièces. Allez, vite. Direct, on va. En bas. À droite, à droite. En bas, à droite, à droite. Voilà. Punaise, il s'est barré. Je crois que je tiens un bout de mon énigme. Je crois que je tiens un bout de mon énigme. Vite, 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 vite. Ok, ok, vite.
Punaise, ils vont m'embêter tous les deux. Ok, c'est bon, je peux y aller. Récupérer. Ça c'est fait. J'aurais peut-être dû aller d'abord ailleurs, mais c'est pas grave. Ok, donc là je le mets sur cœur. Ok, cœur c'est bon. On se casse. On va. Mais ça sert à rien que je le mette sur cœur en vrai. Vu que j'ai pas accès au bar. S'il faut, faut aller vraiment les mettre sur pique. Si c'était vraiment sur pique. Il est passé l'autre ou pas? Non, il est pas encore passé. Punaise, s'il faut, c'était réellement sur pic. Quand tu veux. Mais non, il est déjà sur cœur. Pourquoi je viens ici, moi? Je suis bête. C'est déjà sur cœur. Alors. Est-ce que... Et l'autre, il est pas venu encore. Je peux pas avancer plus le temps que ça. Je peux pas prendre trop de risques. Je ne veux pas prendre trop de risques. Je tente. Je prends quand même le risque. Ok. Le fameux chargement. C'est par où après? En bas ici. Il m'en manque une. Hein. Il me manque encore le bar. J'espère que ça va fonctionner. Je suis pas sûr. Hein. C'est mort. C'est mort.
punaise. Punaise, punaise. Donc il faut bien que j'accède à ce fichu bar. Oui, ben je, oui, ben le système là, je le. Pourquoi ça me met ça en gros? J'ai compris que le truc je l'ai là. Ça, c'est pour qu'on s'en souvienne. Mais c'est pas ça que je voudrais, moi, c'est des indices. Oh, purée. J'ai besoin d'accéder là-bas, mais comment je fais? J'ai aucune idée de comment accéder là, moi. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. T'as pas le mot de passe sur toi par hasard? Je crois que c'est eux que malheureusement je les ai plus tués qu'autre chose. Hein. Tant pis, tant pis. Bon. Au moins, j'aurais pas besoin de rechercher dans la salle de réception. Passez, vous occupez pas de moi. À l'entrée, c'est déjà sur du cœur, je ne touche pas. Messieurs, bonjour. On va la refaire. Bon. Non, il veut pas que je passe, hein. Je peux pas espionner ici. S'il faut aller à la cave. Mais
tellement perdu que là, je visite. Bah ben oui, forcément. Mais... ne pas laguer, ça m'arrangerait, s'il vous plaît. S'il y a un truc à faire avec le gramophone, il faut changer les CD. C'est affreux quoi. Le mot de passe. Mais oui, mais justement, j'aimerais bien le connaître ce fichu mot de passe. J'aimerais bien le connaître. Celui qui manque est dans la pièce à côté. Je peux rien faire d'autre à part attendre. Si jamais il donne le mot de passe. Mais pourquoi les invités verraient-ils les fantômes? C'est ça, pourquoi? Comme toujours. Voilà, moi je passe. Du cours. Ah purée.
qui l'attend. Bon. Allez. Allez. Je pense qu'on va recommencer la journée parce que là, j'ai aucun indice. Allez, on recommence le premier. On recommence la journée, on va faire une pause parce que là, je sèche complètement, j'ai plus d'idées. Hop là, on fait une pause. Rebonjour tout le monde, toujours Jay pour Yves à son studio. Je me suis fait un petit café. J'ai pris le temps de réfléchir. On va poursuivre. Hop là. Là où on en était. On a un petit peu avancé sur un indice. Là vraiment c'était très très galère. Ça fait 7 heures que je joue. Bon après il y a un peu d'AFK. Mais... Je pense avoir une idée. Ça m'a fait tilt. Mais à voir. On va avoir. Allez, reprendre. De toute façon, on a quasiment tous les éléments là. J'ai pas besoin de repasser par l'entrée. C'est déjà sur cœur. La bibliothèque, faudra que j'y repasse. La salle du piano, faudra y passer. Mais avant ça, récupérer le bras. Donc dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est bibliothèque, salle de réception, piano. Et donc, le bar est à faire un premier. Il faudrait faire ça dans l'ordre. Donc, on court. On vole. On court, on court, on court, on court, on court, on court. Vers le bar. En espérant que le temps soit bon, que ça passe. Ça, on n'y touche pas parce que le mec, il va y retoucher derrière nous. Allez, ça y est, ça commence à laguer. Voilà, là, on trace. Après que le chargement du lag nous y autorise, je pense vraiment que sur PC ça serait mieux. Mais bon, je n'ai que le jeu sur la Switch. Tac. Voilà. Maintenant, on attend que ça charge. Là, le machin, pour moi, c'est un signal qu'il faut le couper. Je sais pas vraiment, je pense pas que ça ait une influence, mais bon, sait-on jamais. Après tout, les fantômes chantonnaient tout à l'heure. Tac, j'appuie sur B, je récupère le CD. On court, je m'approche ici, je mets le briquet, j'appuie sur X. Voilà, au feu les pompiers. Nickel. Et maintenant, je ne bouge plus. Et j'attends, que le temps passe. Et là, j'attends que le temps passe. Après tout... Hein, c'est dans le bar que ça se passe, on va espionner, lui il va boire un coup, nous on va boire du café. Bah tiens. Ok c'est bon, on va avoir la résolution.
Bon ben voilà. Voilà. Hein? C'était pas compliqué. Il suffit de brancher le cerveau de temps en temps. Bonjour, excusez-moi. Mot de passe, Eleanor, merci. Allez, on espionne. Il y a des instruments qui jouent tout seuls. Il va reboire un coup dans l'autre bar. Allez. Là, on a un peu de temps. Ah, c'est juste un placard. Hop là. Non, je sors du placard, s'il vous plaît. C'est quoi? Une acoustique. J'avoue que l'acoustique de cette salle est exceptionnelle. Y. On récupère une carte. Et les cartes, en vrai, ça avance. Hein. Voilà. Ensuite, petite bougie. X. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il voudrait voler quelque chose, lui? Les boissons ont l'air moins empoisonnées que dans l'autre, tu m'étonnes. Soirée électorale, c'est la période, hein. Ça doit être un placard. Ah. Il est en train de lui balancer tout. Il lui balance tout. Punaise, il lui a tout balancé, j'en reviens pas. Ok, on sort. Allez, go. Maintenant, il faut tracer. Alors, cœur. Ok. Cœur, c'est bon. Le lag. L'entrée, c'est bon. L'entrée, c'est déjà cœur. Il n'y a pas à y toucher. Là, faut attendre. Maintenant. Vite, 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 vite.
Là maintenant faut tracer jusqu'à la salle de Miam. Normalement ça devrait être bon. Bonjour monsieur, je passe. Normalement là ça devrait être bon ici, voilà. Là il y a 50 ans d'animation. Salle du piano. C'est bon, le bras est en place. Vite, vite, il faut aller sur cœur, vite. Allez. Et cette énigme se joue vraiment au timer près par contre. Hein. Yes, nickel, c'est fini. Ouais, enfin, c'est sur cœur, c'est pas sur pique. Hein. Là, je rentre en scène. Bingo. J'étais pas dans cette pièce, j'étais celle d'à côté, mais c'est pas grave. Bonjour messieurs. Ah, Boon. L'Afcadio, comment allez-vous? Avez-vous quelque chose avec l'ascenseur ici? Un petit peu quand même. J'ai une impression des plus effroyables. Boon, voulez-vous bien continuer à rechercher Lucas? Bah, j'aimerais bien. Je m'inquiète pour lui, mais il risque moins d'être offensé si cette inquiétude vient de vous. Ce garçon vous adore, Laf. Mais en vrai, je sais pas s'il m'adore vraiment parce que je crois que c'est lui qui veut ma peau. Hein. Il fait attention à vous, vous savez, lol. Malgré toutes ses richesses insensées, il possède toujours une âme qui peut être sauvée. Ah! En plus, ce vieil imbécile me doit un verre. Ouais, bon. Et des excuses à certains membres du personnel. Il n'y aura aucune excuse, vous ne manquez pas de toupet, jeune homme. Je peux vous le dire, de mon temps! Bon, madame, je crois savoir quitter, je crois savoir où est ta maison, pour expliquer comment tu te déplaces. Le masque de Thanos est à vous. La vue d'architecte de Thanos, l'architecte de génie Thanos Goreki, connaissait mieux que personne le sexy brutal, donc le casino. En visitant certaines zones du manoir, vous déclencherez des souvenirs et dévoilerez des secrets. Déverrouillez de nouvelles entrées dans la brochure en utilisant le pouvoir quand un message vous y invite. Oh bordel, je crois que le jeu commence quoi. Il en sait plus sur cet endroit que n'importe qui, à l'exception peut-être de Reggie. Mais Reggie, il est quick. Avec ce masque et les connaissances de Thanos, vous allez en savoir beaucoup. Le monument de Thanos vous ouvre la voie, mais il peut également vous révéler beaucoup de choses sur le manoir et le chemin que vous avez déjà parcouru. Vous avez ouvert un accès vers le sous-sol. J'aimerais vous remercier. Il y a quelque chose de très précieux en bas dans l'obscurité. Venez me trouver. Allez, on remonte le temps.